Hello et bienvenue dans les chroniques d'une cordonnière. Je suis Christelle Cordonnière. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener en balade. T'emmener en balade avec moi parce que je sais que depuis lundi, tu dois mettre le masque à l'école aussi. Et que même si ce masque est là pour nous protéger, c'est pas forcément facile de respirer avec. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment facilité à respirer avec ça. Et donc, j'avais envie de t'emmener en balade pour que tu puisses avec moi respirer le grand air de la campagne. Je crois que c'est vraiment super important que tu puisses avoir des moments où tu peux aller vraiment respirer le grand air. Alors quand il fait beau comme aujourd'hui, même s'il fait frais, ça fait du bien. On sent vraiment l'air qui rentre dans les poumons et qui nettoie tout. Alors n'hésite vraiment pas à prendre du temps, même pas longtemps, même 5 minutes dans ton jardin, mais va respirer le grand air sans le rentrer dans tes poumons, imagine le sortir avec toutes les petites saletés, toutes les petites choses qui sont pas ok à l'intérieur de toi, et remplis-toi de ce bon air qui fait du bien. Et puis si le temps est pourri, habille-toi chaudement, mets des bottes, mets un ciré, et puis va t'éclater et prends un bain chaud en rentrant. Ça fait du bien aussi d'aller se promener dans la nature quand on a un mental qui tourne de trop. Ça veut dire que tu as ton cerveau qui travaille H24 et ça fait du bien de revenir à l'intérieur de son corps et de sentir le vent, même s'il n'est pas très chaud aujourd'hui, de sentir la terre sous tes pieds, d'observer les animaux, de prendre une pause, de donner un peu des vacances à ton cerveau et pour que ton corps puisse profiter des rayons du soleil, de toutes les belles choses de la nature. Donc n'hésite pas, moi je vais arrêter de marcher parce qu'il y a tellement d'eau ici que je pense que ça va se transformer en vidéo catastrophe et que je vais finir par tomber. Mais je t'envoie vraiment tout le bon que je trouve dans ma balade et je te souhaite vraiment vraiment d'aller te remplir de cet air frais et de toutes les bonnes choses que la nature a pour nous. Voilà, je te dis à tout bientôt, j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine chronique et je te souhaite que tout aille bien. Ciao.